Immigration en France, les Républicains veulent durcir les conditions. Alors que la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé le report à l'automne du projet de loi sur l'immigration, la droite française passe à l'offensive. Sous la présidence d'Éric Ciotti, cette droite se rapproche de plus en plus des thèses de l'extrême droite. Le parti Les Républicains compte court-circuiter le gouvernement en proposant deux projets de loi sur l'immigration. En effet, Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Olivier Marleix ont annoncé dans une interview accordée au journal du dimanche que les Républicains présenteront un projet de réforme constitutionnelle et un projet de loi pour changer totalement de cadre en matière de politique migratoire. Ce parti veut en effet lever les obstacles sur l'application des lois anti-immigration en proposant une réforme constitutionnelle. Par cette réforme, le parti vise à réaffirmer le droit de la France à décider souverainement qui elle souhaite accueillir et qui elle souhaite refuser sur le territoire national. Les principaux leaders de ce parti de droite veulent donc inclure dans la Constitution un article qui stipule que nul ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour se soustraire aux lois de la République.